Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants. Et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance, pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelles paroles croiront-ils, après la parole d'Allah, et après ses signes? Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse, ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. Ceci, le Coran, est un guide. Et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent, par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'il rétribue chaque peuple pour les acquis qu'il faisait. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque agit mal agit contre lui-même. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur.